Bon, comment ça va Charles? On est tranquille pour une fois aujourd'hui, on est assis, j'avoue, on est au siège. Aujourd'hui du coup on se retrouve pourquoi Charles? Nous allons nous affronter, nous allons mener un combat, une guerre. Un truc qui s'appelle le Wikipedia Challenge, c'est un truc de youtubeur gentil parce qu'on a capté que ça faisait des vues et que c'était facile à faire. Vous connaissez, on a tous ces jeux et j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne qu'on peut faire entre potes comme les cotes à combien, les jeux genre devine le prix. Tous ces trucs là se réunissent autour d'un truc, qu'est-ce que tu peux faire avec des potes quand tu t'ennuies. La dernière fois je parlais avec quelqu'un qui m'a parlé de ce délire autour de Wikipédia, en plus plein de youtubeurs l'ont fait. Amixem. Utilisez la Amixem Serlite. Qu'est-ce que c'est le Wikipédia Challenge? C'est simple, nous allons partir d'une page Wikipédia et le but, à partir de cette page Wikipédia, est d'arriver à une page Wikipédia B, par exemple. Partons du mot cornichon pour arriver sur population. Par exemple. Et le premier qui arrivera à la page B gagnera. Et c'est à l'autre de devoir subir. Subir, c'est savoir aussi donner, c'est être généreux. Le perdant donnera à chaque round un montant qu'on aura défini en amont à l'association des hôpitaux de France qui lutte notamment contre le Covid-19. On met entre 50 et 100 euros, on génère. Tac, boum, 52 ans, on part de quoi? J'ai envie de partir du mot URSS. Ben ouais, c'est un très bon mot. Oh oui. Et moi je reste sur le cornichon. Ouais, va dans ta pièce, là, dans ta cuisine là. Où il n'y a pas de plaque sur fond. Premier youtubeur français, il cuisine sur une table de camping. Le premier qui trouve la page cornichon, il fait un bruit. Là Charles doit être en train de s'installer. Ok, ça c'est good. Ça y est, ça. Franchement, je suis assez serein. On va analyser le plus de mots possible et essayer de trouver un mot qui, même de très loin, a un point commun avec un cornichon. Ça va être la couleur verte. J'aime pas de vert sur le drapeau. Ouah, ça va être chaud. Tu peux y aller? Okay. Oh, ça allez. Moi, j'aimerais bien aller Amérique, États-Unis, fast food, cornichon gagné. On va regarder le sommaire. Peut-être dans agriculture. Ouah, ça parle surtout de la guerre. Hein. Si je fais pomme F, vert. Ça me sert à rien. Guerre froide, on va tomber sur les États-Unis. États-Unis, en sciences et culture, art, musique, religion, cuisine. Ah, il doit forcément y avoir un truc autour de la nourriture avec les famines et tout. Fast food, hamburger. Kiki. Quoi? Kiki, fini. URSS, guerre froide, États-Unis, cuisine. Hot dog, hamburger. Hamburger. Garnison. Ah mec, j'étais qu'à la première phrase, moi j'étais gagné après. Bon bah ça fait 51 euros dans ma cagnotte. Yes I. Est-ce que on a le droit d'utiliser un truc, c'est le pomme F? Oui parce que je l'ai fait, mais en vrai j'ai okay. Fait je l'ai fait aussi. Si on en parle pas, c'est qu'il y a le droit. Hein, si on ne dit pas que c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Okay. Premier mot, j'ai envie de dire microscope. On va devoir passer de microscope à pop smoke. L'artiste. Combien tu as payé pour ce round là Charles? Hop, on génère 87 euros. Allez. Bon, j'adore pop smoke, tu pourrais analyser ces musiques au microscope tellement je les aime, mais là le rapport voilà quoi. Bon déjà Pop Smoke origine je dirais américain. Amérique, j'espère ne pas me tromper hein. L'œil, oh il y a le mot œil, du mot œil on peut trouver à 200% Louis. Tac. Et là il faut qu'on trouve la musique, audition humaine. Regardez, on a le mot musique. Garde l'indépendance des États-Unis. Ok, États-Unis, culture, science et culture, musique, art du spectacle, jazz et du rap. Liste de genres musicaux. Donc je vais trouver le mot drill. Voilà, drill. Lil Durk, ok. Lil Reese, Soulja Boy, Chief Keef, il est où, wesh? Ça vient de Chicago. Oh putain. Non, Pop Smoke, il vient de New York. Il est quoi? Il est américain, lui. Oh, le tricheur. Los Angeles, bah ouais. J'ai peut-être une idée. Je sais qu'il y a une musique que Pop Smoke a fait dans son dernier album, qui est une musique de 50 Cent. Donc si je trouve cette musique, peut-être que je peux après arriver sur la Wikipédia et trouver l'endroit où il dit, bah, Pop Smoke a repris la musique, machin. Et la musique, c'est... Many. C'est celle-là, bordel de merde. C'est celle-là, je l'ai trouvée, non. Tu peux pas cliquer sur la musique, non. Ton drill. En bas, y a pas marqué, genre, voilà, rappeur américain. Billboard, classement Billboard. Putain, mais il y est pas. Là, je vais sur P. Là, c'est sûr, je trouve Fox, c'est sûr. Yes! C'était tellement dur! Ouais, j'ai trouvé. Je suis allé à l'œil. Ouais. Je suis arrivé au sens. Louis, je suis arrivé à audition humaine. Musique. J'ai testé plusieurs genres. Drill, gangsta rap, etc. Ouais, t'y étais aussi. Il n'y a pas Pop Smoke. Je suis allé sur 50 Cent. Je suis allé en bas. Rappeur américain. P. Pop Smoke. Putain, bien vu. Pour ce round-là, qu'est-ce que tu vas payer? 87. Incroyable. Premier mot. Pop
Pokémon. Pokémon ? On va devoir partir de Pokémon et arriver sur la page Wikipédia de la banque BNP Paribas. J'ai pas d'affiliation avec la BNP Paribas. Mais en fait, je trouve que c'est tellement random, mec, partir d'un Pokémon pour aller à une banque, gros. On joue pour combien ? Allez. 63 euros. Qui ? C'est bon ? Ouais, c'est Pokémon, hein ? Ouais, Pokémon ! Je peux aller sur France. En fait, ça va pas être très compliqué, regardez. France. Banque. Je parle forcément des banques. J'adore parler des trucs comme ça, là. Les banques françaises. Banque française ? BNP. C'est la BNP ? Et j'ai la... Je l'avais ! J'ai trouvé, frère ! Je l'ai avant. Sérieux ? Parce qu'en fait, je t'ai dit, c'est la BNP, et ouais. T'as dit, qui ? C'était Pokémon, France, Banque de France, ouais, BNP. Ça, c'était rapide, hein. 63 euros pour Hugo, yes. Je pensais pas qu'entre Pokémon et BNP Paribas, ouais. Ils sont... On va partir de la page Wikipédia de Modern Warfare 2. Call of Duty. Ah, pour arriver à Vers de Terre. Vers de Terre ? Ok, vas-y, alors attends, on joue pour combien ? 85 euros. De toute façon, s'il me bat là, c'est sa seule occasion de me battre en Call of Duty. Probablement le meilleur Call of Duty de la franchise. Hein. J'aimerais bien chercher un truc à genre terre, grenade, démissidaire sol, clé mort. Putain, moi ça m'intéresse, c'est ça le pire. Vers de terre, c'est très difficile, non ? Date de sortie, Europe. Je vais sur Europe, je vais en France, ville principale d'Europe, Paris. Paris, on a la France. Là, maintenant, on est sur la page française. Ok. Y'a pas la... le terroir, voilà, la géographie. Bah oui, la géologie, topographie, paysage et environnement. Grenade, guerre, terre, je sais pas. Je me lance dans un truc. Peut-être revenir sur un pays. Aux États-Unis, on cherche en faune. Faune et flore. Putain, je stresse, j'ai plus tapé. Oh non ! Oh non, pas ça ! Donc, écosystème... Oh putain, on est bon là. Si on va sur le mot nature... Être vivant, insecte... Environnement, biophysique, l'habitat... C'est pas des insectes, je sais plus comment on écrit, je stresse... Kiki, c'est fini ! J'ai salement le seum, là. Ah, je chantais qu'on était proches. Et il va venir tout content. Même là, t'avais une occasion pour me battre à Call of... Qui veut qu'on voit un 1v1 sur Call of ? Mec, je suis parti, mec, ça n'avait aucun sens. Toi, j'ai fait Call of Duty, ouais. Grenade. Parce qu'en fait, grenade, c'est genre éclat de terre, terre, Je me dis, là, en vrai, je pars trop loin. Grenade, États-Unis. Mais toi, t'aimes trop les US, en fait. Faune et flore. Et t'as fait pomme V, vert de terre. Toi, tu utilises trop le pomme F. Moi, il faut que j'utilise le pomme F. Ah, j'ai le seum pour cette nouveau round. Du coup, tac, tac, tac. Macaron. Un macaron en cuisine, ok. Et on va devoir arriver sur la page Wikipédia d'une bite de bateau. Une bite de bateau ? On appelle ça une bite, pas une blague. On est sur Hugo Posé, après la machine à caca, la bite de bateau. Ça date de la même époque ! Macaron pour aller à bite, on vous joue pour 76 euros. Le macaron apparaît en Europe au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il faut forcément parler des bateaux, des traversées qu'il y a eu, des conquêtes. Donc si je fais bateau... Et il va falloir taper le voyage. Moyen-Âge, vrai, Moyen-Âge, non, Moyen-Âge, il n'y a pas encore le bateau, je sais pas. Bon, République maritime. Maritime, ça veut dire quoi ? Maritime, c'est l'eau, les frères. Voilà, sur les côtes de la Méditerranée. Il parle pas de port sur la Méditerranée. Oh, on est bon, là, regardez. Les Amériques ? Ok, là, il doit avoir un truc de bateau. Non ? Mer Méditerranée, on a la catégorie port. Liste des ports de la Méditerranée. Portail des ports. Carrément, on va aller sur la page des ports. Christophe Colomb, navire. Putain, y a pas de lien avec les câbles. Regardez, port, amarrage. Et là, l'amarrage, on va avoir le mot bit, c'est sûr. Yes ! Variable selon la taille du navire, caplé d'une part, ok, sur des bits ou des anneaux. Yes ! Ah, il a été bon. Yes ! Pour trouver des bits, ça y va. Généralement doublé et monté sur le pont des navires, il est appelé une bite d'amarrage. Avec deux T, s'il vous plaît. Hein. Et ben, ça, c'est bon, ça. Trouver des bits, ça va. Ah, c'est... République maritime. Maritime, la mer, les ports. Liste des ports de la Méditerranée. Je vais sur le portail des ports. Amarrage, vu que c'est de l'amarrage. Ouais, bite, ouais. Bite. Toi, tu connais tous les mots-clés du bateau. Moi, j'étais en mode... Parce que j'ai... Colomb. Merci, donc ça fera... 75 euros, ding ding dong, dans ta cagnotte. Vas-y, manche finale. 3x3. 3x3 ? Oh ! Aïe 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 ! On va partir de un de mes films préférés, Insidious. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Sauf si vous êtes tout seul dans le noir. Oh ouais, moi j'ai une. Oh, je sais. Je sais. Je sais, mec, j'ai le bon mot. J'ai le bon mot. Parce que moi j'en ai un autre qui a été ouf. Hein. Le vuvuzela, mec. Tu te rappelles ce que c'est le vuvuzela ? Ah, le truc là, de la, ouais. La. Alors moi sinon j'avais ça, mais sinon personnage, ça pourrait rappeler ça à plein de gens, mec. On part de Insidious et on doit arriver à. Et ça, c'est sûr que tu connais. Tu te rappelles de Michael Vendetta ? Ah, j'ai zéro défaut. La
La beau gosse attitude et tout à l'ancienne là. Fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. On génère 52 euros x 3, 156. Oh, ça va être compliqué là. Bon, le point commun qu'il pourrait avoir, c'est la France. Il n'y a pas un mode genre, le film il est sorti en France, voilà, regardez, distribué en France. Peut-être que si je vais sur les radios, je sais que le gars il fait pas mal de radios genre énergie et tout, là, les Coé, les machins. Sur énergie, ils vont forcément en parler, voilà. Là, on n'est pas loin là. Là, on est super proche. Ok, donc, États-Unis. Bon, vas-y, États-Unis, il n'y a pas France. France, allez, France. Pas TV, téléchargement, streaming, cinéma, mode, culture. C'est pas dans culture, ça c'est sûr que c'est pas dans culture. Est-ce qu'ils en parlent sur la page Wikipédia de Coé de Michael Vendetta? Non, ils en parlent pas, putain, ils en parlent pas, non. Qu'est-ce qu'il a fait Michael Vendetta? Mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là? Putain, attends, c'était quoi? Énergie 12, non? Moi, les trois trucs que j'ai sur Michael Vendetta en mots-clés, c'est beau gosse attitude, là, les DJ, et je sais que le gars, il parlait souvent de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis un produit Made in Sarkozy. Attends, on peut aller checker. Président de la République, tac, Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Et là, Nicolas Sarkozy, ce qu'on a Michael Vendetta? Non. Internet, buzz. Michael Youn, humoriste français. Je connais rien sur Michael Vendetta, moi. Je sais pas. Michael, Vendetta, fan de moi. Michael. Télé-réalité. Pas fait les anges, lui, mon secret story. Sinon, personnalité française, on va tenter ça. François Fillon. Oh, j'ai une idée. Si on va sur la télé-réalité ou un truc comme ça, il y a moyen de le trouver le mec. Voilà, là on va aller sur la chaîne de TF1. L'île de la tentation. Ah voilà, genre télé-réalité. Télé-réalité, liste d'émissions de télé-réalité en France. Attends. Oh, c'est par année, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Je vais repartir sur énergie. Hein. En plus, à l'époque, on n'avait pas beaucoup des émissions de télé-réalité, du coup c'est facile. Ah, je crois qu'il a la troisième saison de la ferme des célébrités. Ça, c'est un truc qu'il aurait fait. Regardez ce que j'ai fait pendant que... Oh putain, y'a même pas besoin de le chercher. Oh oui. Allez, c'est reparti. Regardez, voilà, c'est ça, c'était la ferme à célébrité. En France, allez, hop. Elle a été remportée par Michael fucking Vendetta, mon gars. Oui. Elle a été remportée, en plus il a gagné. Yes. Ah putain, je suis trop content. Ah, il me saoulait. Ah là 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 là. À part Bad Buzz et Energy 12, mec, voilà, je n'avais rien sur lui. Mec. Alors, moi, je savais qu'il avait fait une émission avec Coé. Je savais aussi que dans ses interviews, il disait qu'il essayait d'être DJ. Et finalement, je me suis dit, à un moment, mec, il a forcément fait de la télé-réalité. D'émissions de télé-réalité en France, là, j'ai descendu. J'ai commencé à peu près à 2005. Je descends. Et là, tu sais, je lisais ligne par ligne. Et à un moment, je vois sa grosse tête. Et je fais yes. Et en fait, il avait remporté la ferme des célébrités en Afrique. Il est archi connu, moi, c'est une star. C'était combien? 156 euros. Pour la cagnotte de Tchari! Mec, j'étais tellement content de ouf. Genre, c'est un don que je suis content de faire. Bon, avant qu'on débriefe, on vous invite à cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. On fait afficher les montants que chacun allons donner à l'association des hôpitaux de France. Si vous voulez qu'on fasse un autre épisode et que cette fois-ci on demande plus les montants pour que Charles bouge plus, peut-être que ce sera aussi à mon tour. Moi je t'invite sur ma chaîne pour manger un bon steak alors. Vidéo elle arrive, tac, promo. Allez vous abonner à la chaîne de Charles, fasse une cuisine dans la recherche, cliquez sur le bouton rouge, d'accord. Une vidéo ensemble qui sort. Aujourd'hui il aura été stratégique en tout point. La stratégie n'a mené à rien. J'ai fait avoir parce que je suis tombé sur d'autres aventuriers qui n'avaient pas la même vision du jeu que moi. Vendredi prochain, 18h03. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas le rater. C'est le bouton rouge aussi, c'est gratuit. Je sais même pas si j'ai une page Wikipédia. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais quoi? Mais le gars, il a trop pris la confiance en fait. Pour essayer les autres de faire la page Wikipédia pour toi. Je sais qu'il y a une page Wikipédia, j'ai vu. Genre dans Comédien français, à un moment j'étais dans... Non. Attends, mais t'es dans le... Ouais. Ah bon, finalement c'est bien que j'ai pas de page Wikipédia, je suis content que ça reste comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans l'oreille de Charles? C'est ce que nous découvrirons au prochain épisode et il faut s'abonner pour ça. Et si tu dis ça, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais peut-être que ça pourrait rester contre toi et moi, on saura jamais ce que j'ai vraiment dit. Do it like this, I've been on the ground like this. Do you like this? Don't nobody do you like this. This is my shit. You be like this about as good as it gets. Do it like this.